nous avons organisé une randonnée aujourd'hui à Saint-Louis dans le but de sensibiliser les populations. Parce qu'il y a d'importants investissements qui vont être faits à Saint-Louis dans le cadre du programme Promoville. Et il est important que ces infrastructures qui vont être réalisées soient entretenues par les populations. Parce qu'avoir une nouvelle route, avoir de l'assainissement eau usée, des canalisations qui sont devant chez soi, ça nécessite un nouveau comportement. Donc c'était l'occasion de partager avec les populations sur tout ce qui va être fait dans le cadre du programme, mais également d'encore davantage les sensibiliser. Et je tiens à remercier toutes les populations de Saint-Louis qui sont sorties, tous les clubs de randonnée qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse faire cette randonnée qui a été une réussite en termes de mobilisation. Il y a différentes agressions, il y a les eaux usées qu'on jette sur la route, il y a les ordures qu'on jette sur les canalisations. C'est tant de choses qui nécessitent encore de nouveaux investissements pour pouvoir curer ces caniveaux, pour pouvoir revoir ces réseaux-là. Donc c'est important que ces populations tiennent compte de cela pour préserver leurs infrastructures. La réalisation a été déjà faite, maintenant c'est le défi de l'entretien et de la maintenance de ces infrastructures que nous voulions partager avec les populations. Voilà, dans la commune de Saint-Louis, il y a environ 10 milliards qui va être investi dans le cadre du programme pour environ 16 km de voiries assainies et éclairées qui vont être réalisées dans la ville.